Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour le test de Killzone Shadowfall sur jeuxvideostream.com. Donc déjà comme vous pouvez le voir, voilà, l'un des deux jeux exclus PlayStation 3 avec Knack, édité par Sony, développé par les fameux Guerrilla, qui sont bon habitués depuis la série, depuis le lancement. Agréable note de 18 sur 20 sur la plupart des sites de jeux vidéo. Et là, je suis en ce moment même en train de vous refaire le chapitre 4. Bon, le jeu que j'ai terminé déjà il y a bon, depuis sa sortie quoi. Mais bon, voilà, je suis en train de refaire en fait les niveaux. Donc, vous étonnez pas si des fois je suis un peu étonné à revoir des choses. Voilà. Enfin, bref. Sortie donc comme je vous ai dit. Ben voilà, depuis le jour de sa sortie avec la PlayStation. Avec la PlayStation 4, quoi. Donc, 29 novembre 2013, nous incarnons, comme vous avez pu le voir sur le panneau, enfin, où est-ce qu'il devait se faire identifier, Lucas Kellen. Donc, il faut savoir, bon, déjà, je vais vous planter un petit peu le décor, et après, je vous parlerai plus en détail du jeu. Le jeu, en fait, se passe, le début du jeu commence 14 ans avant le fameux 7 juin 2390, date fatidique où est-ce que va commencer le jeu. Bon, je vais pas non plus tout vous spoiler, sachez juste, pardon, qu'il y a eu une trêve. Le jeu se passe 30 ans après Killzone 3. Il y a une trêve très fragile qui a éclaté entre les Vectan et les Helghast quoi. Donc le héros lui sera recruté tout jeune par un Shadow Marshal que l'on aura l'occasion de voir au cours de cette mission. Je sais même pas si non je pense pas qu'on l'ait encore vu. Enfin, bon, j'étais dans l'avion avec lui là. Toi, t'es un Helghast, toi, oui, ça se voit. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, franchement, la qualité graphique du jeu est monstrueuse. C'est excellent. Grosse nouveauté de ce jeu, nous avons un petit drone de combat, nom de code OWL, qui peut en fait attaquer, pirater, nous faire une tyrolienne et lancer un bouclier. Donc, je vais me mettre à découvert pour vous montrer au moins le bouclier, voir ce que ça donne. En bas à gauche, vous voyez flèche du haut, en fait ça vous affichera le menu, en même temps vous allez pouvoir target l'endroit où est-ce que vous devez aller. Tiens, vas-y, fais-moi la cible, enfin fais-moi le bouclier, pardon, voilà, vous pouvez le voir, vachement sympa. Flèche de gauche, vous pouvez activer de l'adrénaline, donc du coup vous allez voir un petit peu en bullet time, en slow motion, pour pouvoir mieux caler des headshots, et puis en même temps ça va vous redonner de la vie. L'adrénaline vous servira aussi si vous êtes mort et que le drone est toujours présent, il va pouvoir vous faire revivre en fait. Voilà, pour une fois qu'on a un coéquipier qui est vachement monstrueux, parce que voilà, je vous ai dit, en plus de vous faire un bouclier, il vous permet d'attaquer, de vous faire progresser dans la map. C'est pas un compagnon très useless, j'ai toujours l'habitude de citer un useless, la fameuse Eva de MGS3. Enfin voilà, on a connu tous dans les jeux des coéquipiers super boulés, enfin. Voilà, vous savez, des fois, ils se pètent une jambe, vous devez les aider, donc du coup, vous n'avez plus votre arme pour les transporter. On a tous connu ça, les petites difficultés supplémentaires à cause du coéquipier. Enfin, voilà. Je vais brièvement, donc, comme vous pouvez le voir, comme c'est le mode solo, brièvement vous parler du mode online. Il oppose, donc, les deux factions, de chez Vectan et de chez Helghan, donc du coup, les VSA et les Helghast. Trois classes principales, le sniper, l'assaut et le support. Voilà, vous aurez des deathmatch en 24 joueurs. Après, tout dépend les modes de jeu que vous allez lancer. Moi je ne fais que du MME, donc du coup je ne peux vous parler que de ça. Les fameux snipers, bon, tout dépend le type que vous allez prendre pour faire. Il y a des snipes qui one shot, d'autres des automatiques. Enfin voilà. Je trouve quand même que pour le mode online, on a trop de vie en fait pour faire du face-to-face, donc du coup c'est incroyable quoi. Enfin, on n'est pas dans du hardcore quoi. Enfin voilà. Il me semblait que j'avais vu des mecs en bas. Il n'y a personne. C'est génial. D'accord, bon ben tant pis. Le héros, parlons-en, donc voilà, Lucas Kellen, je vous ai dit, bon, recruté par ce fameux Shadow Marshal, là, le Black qu'on a dû peut-être voir en début de vidéo, je me rappelle pas du tout, je me rappelle pas s'il a posé son regard sur lui. Donc voilà, il faut aller par là, c'est une porte magnifique. Donc
Donc voilà, l'engodage, déverrouillage des portes, voilà, on pose 4 doigts sur un. Je suis au même endroit. Oh bordel de merde. Où est-ce qu'il faut que je passe? Putain, me dites pas que je suis déjà bloqué quoi. Allez X, réfléchis. Par là-bas de toute façon. Oui voilà, ça m'a l'air d'être par là. Donc du coup, comme je disais. Ouais, la target elle est là-bas. Oui voilà, j'affiche l'endroit avec la flèche du haut. Mais non, c'est pas par là. Mais qu'est-ce que c'est? What the fuck? C'est bizarre. Ok, donc les ennemis par là. Voilà, hein, j'affiche les ennemis, hein, reste appuyé sur la flèche droite. Hein. Ben non. Ben en fait c'était là, mais pourquoi c'était. Ah, ils sont à l'étage d'en dessous, d'accord. Ok, bon, autant pour moi. Je vous ai dit, je parle du héros vite fait. Donc, je vais vous parler par exemple, donc le jeu étant français. La VF. Bon, franchement, ils ont choisi. Ben, pour une fois, franchement, enfin. Pas pour une fois, bon, généralement tous les puristes aiment les jeux en anglais, sous-titrés français, etc. Mais là, je dois vous avouer que la VF, ils ont choisi quelqu'un de plutôt badass. Il s'agit de Damien Boisseau. Si vous ne connaissez pas, bon, moi qui m'intéresse à tout ce qui est le doublage au cinéma, etc., je vais vous parler de sa carrière vidéoludique. Il a fait les voix de notamment Jack de Jack et Dexter, le fameux Jack Knife de Mirror Edge, Jackie Estacado dans la saga The Darkness, l'Outsider dans Dishonored. Je suis un peu emmerdé là, parce que là ils me tombent tous dessus, je suis en train de finir ma life là, c'est ok, ben voilà, fallait forcément se faire niquer quoi. Bon. Donc vous voyez, appuyer sur L2 pour l'OWL, il arrive et là du coup il me fout un petit coup d'adrénaline et là, du coup ouah, je pète le feu. Bim dans ta gueule. Bon. Oh, me dites pas qu'il y en avait qu'un. Je me suis fait tuer que par un gars. Espèce d'enfoiré. Hein. Ah, enfin. Ça, cette arme, je l'aime bien. Elle est cool. Donc, du coup, voilà. Bon, alors, pirate-moi ça, toi. Je pourrais enfin finir ma petite parenthèse sur la VF. Je vous ai dit oui, donc il y avait l'Outsider de Dishonored. Mais après, voilà, si je dois vous parler après, par exemple, un acteur dans les séries plutôt connues. Si vous voyez True Blood, ben c'est par exemple la VF de Bill Campton, voilà. Donc une VF plutôt assez badass, plutôt sympa, qui est vachement bien pour le jeu vidéo. Enfin voilà, c'est que voilà, c'est plutôt des voix que l'on reconnaît assez facilement et puis qui sont plutôt cool quoi en fait, voilà. Bon, je dois aller par où? Par là-bas. Ok, très bien. Donc ce qui est bien, voilà, avec la touche du haut, vous pourrez toujours target. Vous restez appuyé sur la touche du haut, ça vous affiche vos objectifs. Vous le voyez en haut à droite, il y a écrit maintenir. Bon là, ça vient de s'enlever, mais bon, j'espère que vous avez eu le temps de regarder vite fait. Bon coup de corps à corps. Comment ça s'appelle? Donc voilà, flèche du haut, vous y restez appuyé, vous avez vos objectifs. Un petit coup, flèche du haut, ça vous affiche le ciblage, enfin là où est-ce que vous devez vous rendre. Et j'ai failli me faire dégommer, c'est bien. Bon. Oui, d'accord, il veut me parler. Ouais, mais tu me montres un mur, là. D'accord. Non, bon, je l'ai fait exprès. Ouais, d'accord, il faut aller dehors, oui, bien. Non, franchement, question graphique, franchement, il envoie. C'est vraiment, je trouve que pour un début de Play 4, bon, après, je sais que les jeux, les développeurs, etc., n'ont pas... forcément pousser les graphismes et les capacités de la console à son maximum quand même, on l'a connu de toute façon si je parle de l'exemple de la PlayStation 3. Tiens, le Shadow Marshall qui le recrute, c'est le Black qui est devant moi. Donc voilà, je recite par exemple l'exemple de la Play 3. Vous avez les premiers jeux qui sont sortis, les Motor Storm, les fameuses Darkness 1, Virtua Fighter, le Virtua Fighter 5 il me semble, les Résistances. Vous voyez, question graphisme, après vous avez vu au fur et à mesure du temps toutes ces licences qui ont niveau graphique, enfin question graphique, qui ont vraiment été améliorées. On se retrouve avec un Motor Storm 1 pour finir avec un The Last of Us en fin de vie de PS3. Et encore, il y a encore des jeux sur PS3 qui continuent de sortir, donc voilà. Si déjà moi je trouve que je suis bluffé avec KZ Shadowfall quoi, je me demande ce que ça va pouvoir donner avec des futurs jeux sur Play 4 quoi. Enfin, c'est vraiment monstrueux.
Après, bon, je sais que vous tous, il y a encore cette fameuse pénurie de PS4. Donc après, ouais, c'est vrai que pour le peu de jeux que la PS4 propose pour son lancement, je trouve ça déjà assez ouf, quoi, en fait. On avait tous été surpris en disant oui, côté PS4, on va avoir plus d'une trentaine de jeux dès sa sortie. Ouais, ben je pense que ouais, il aurait fallu plus de blockbusters dans cette trentaine plutôt que ouais, dans ces 30, on va noter quoi? Vraiment, allez, 5 gros jeux, BF4, hein, Killzone, hein, Call of, Assassins, FIFA, allez voilà, vite, voilà, j'en cite 5 manières. Après, voilà, personne n'est forcément intéressé par un Lego Marvel ou par les 2K14 au niveau de la NBA. Enfin, je dis pas du mal de ces jeux-là, bien sûr, je connais des gens qui les ont, etc. Mais, et encore, non, franchement, je me fais mentir parce que l'univers Lego attire de plus en plus de gens et les jeux de basket sont de plus en plus achetés. Donc, en fait, ouais, je pourrais même les citer. Mais bon, après, quand on a d'autres jeux, voilà, qui n'ont pas fait l'unanimité, alors qu'on se dit que, ouais, c'est fait par des grands monsieur des jeux de plateforme et qu'on nous sort Knack et que j'ai pu le tester, j'ai pas été vraiment convaincu. Du coup, c'est impressionnant la beauté, les graphismes, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Enfin voilà. Donc franchement, je vous dis, soyez pas trop déçus de pas avoir une PS4 parce que pour l'instant, vous ratez pas grand-chose. Après, vous allez me dire, ouais, mais bon, t'es en train de présenter des jeux depuis le début de sa sortie, et puis tu vas nous dire qu'on rate pas grand chose. Si je vous fais envie avec mes vidéos, tant mieux, certes, parce que c'est bon, après, c'est un peu le cas. Après, voilà, je suis là un petit peu pour vous présenter ce que vous pourriez acheter plus tard. Mais après, je trouve que en soi, ce sont pas pour l'instant, j'ai pas vraiment eu un gros coup de cœur, mis à part un jeu que. Oh là là, pardon, excuse-moi, Lucas, t'es badass quoi. Donc pourquoi c'est rouge ça? Ça j'aime pas trop ça. Oh my god, j'ai pris un TGV dans la gueule. Oh putain. Ah oh, j'ai bouffé ma race, ma parole. Oh putain. Oh mon enculé. Mais comment ça va trop vite? Je vais rester sur le côté. Oh bordel. Oh cette vitesse. Oh, c'est un truc de malade! Ouais, non, je vais rester sur le côté, faut que j'aille par là-bas. T'es, il revient. Je le vois là-bas. Putain. Mais non! Mais non, mais j'étais à côté là! Oh bordel! Oh, pas de pitié, pas de quartier, le machin. Oh bordel, mais c'est violent ce qui t'arrive dans la gueule là. Ouais, faut forcément être en gros sur une grosse plateforme pour l'esquiver. Et encore, je joue avec la life là. Bordel, j'avais complètement zappé que les TGV ils pouvaient nous péter la gueule. Oh bordel. Oh mortel, c'est monstrueux. Après, ouais, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de plus, quoi. Voilà, après, niveau coup de cœur, voilà, comme je vous ai dit, le seul jeu qui a vraiment été un coup de cœur pour moi, c'est un jeu qui est disponible avec le PSN Plus, quoi. Donc, bon, après, oui, bien sûr, il faut forcément avoir la Play 4 pour que ce jeu tourne. Il s'agit de Contraste, j'ai fait un test dessus déjà. Vous pourriez y accéder par ma chaîne. Un super jeu et pour ceux qui auront la Play, je vous le rappelle, comme il faut être abonné au PS Plus pour pouvoir jouer en online, donc ce que quasiment tout le monde va faire, bon, à peu près 50 euros par an pour l'équivalent de 1000 euros gratuits, 1000 euros de jeux gratuits par an, c'est plutôt avantageux. Sinon, vous avez l'option 3 mois ou 1 mois, bien moins cher. 3 mois, c'est 15 euros, il me semble. Bon, enfin, à vrai dire, voilà, pour faire bref, vous dites que je me rappelle bien, que je dise pas de conneries. Donc, 50 euros par an, donc 12 mois. Le mois, ça vous revient à 50 divisé par 12, 4, c'était 4,16 euros, il me semble. 4,16 euros le mois, donc pour un abonnement online. Même si la PS4 s'y met maintenant, et surtout pour améliorer bien sûr le contenu online que cela nous propose, et bien sûr améliorer tout ça, faut que je saute, je pense. Faut que je saute. Il n'y a pas d'autre moyen. Putain, je me le sens pas le saut. Ah, mais il y a quelqu'un dedans, oui. Il y a quelqu'un. T'es où? Ah là, ok, d'accord. Donc voilà, franchement, c'est plutôt avantageux. Bon, alors s'ils sont dedans, il n'y a plus personne dans le train, c'est bizarre. Bon, allez. Feu! Oui, belle. Bien joué.
Bravo, bravo. Je me félicite. Ben oui, y a personne qui me félicite. Vous y êtes pas, là, les gars. Attendez, s'il vous plaît. Et prends-toi ça dans la gueule. Magnifique. Magnifique coup de corps à corps. Beaucoup de couteaux dans la carotide. T'arriveras mieux à avaler la prochaine fois. Allez, un petit piratage ici. Je vous ai dit, voilà, pour un abonnement PSN, franchement, c'est super avantageux. Et puis Contrast, donc, du coup, vous pourrez forcément le tester. Par contre, je sais plus si avec le nouveau jeu qui vient de sortir. Non, je crois qu'il continue à rester sur le PSN, il me semble. Il s'enlève pas. Après, je sais que voilà, pour janvier, ça y est, on a enfin maintenant ce que nous a promis Sony. On aura un jeu de PS4, pardon, gratuit par mois, deux jeux de PS3 et deux jeux de PS Vita. Donc 5 jeux par mois. Voilà, vous allez me dire, ouais, 1000 euros de jeux gratuits par an pour 50 euros par an, ça fait un peu peut-être abusé. Ben non, hein, franchement, quand on propose 5 jeux, on peut y arriver facilement. Enfin, si on prend au prix neuf du jeu, bien sûr, hein, je vous parle, voilà, un jeu Play 4, deux jeux PS3. Vous voyez, vous faites le calcul très rapidement, sachant que voilà, les jeux tournent en moyenne à 70, enfin à 69,99. On monte rapidement, voilà. Et puis même si on baisse les jeux, ce sont des jeux encore que l'on peut avoir à la revente à une trentaine, hein, même si on regarde 30, 30, 30, on arrive à quoi? Si on mettait les trois jeux, sans compter ceux de la PS Vita à 30 euros, voilà, on arrive à 90, on peut. Enfin voilà, ça peut fonctionner quoi. Donc voilà, ça se maintient, une promesse tenue. Et alors, il me semble que dans les deux jeux, alors dans le jeu de PS4, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus quel jeu c'est. Je sais plus. PS3, je sais qu'on a DMC Devil May Cry qui était sorti début 2013. Donc plutôt sympathique. Et puis après, je sais plus. Il y a Blaze Blue dedans, je sais. En PS Vita, il me semble. Et après, je sais. Ah oui, Borderlands 2 en PS3. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Hein. Je vais voir si je peux tester le Snipe. Je l'ai pas encore testé. Bon, dans le mode online, c'est une tuerie. Mais voilà. Bon, je faisais une brève parenthèse. Bon, en même temps, hein, comme je vous dis, là, je vous parle pas trop de Killzone. Mais bon, en même temps, voilà, ça joue. Hein, c'est vraiment. Ça inspire la Play 4. Donc voilà, c'est le jeu qui est. Voilà, vous devez forcément avoir une PS4 pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc voilà, il est normal que je vous parle un peu du PSN. Voilà, ce sont des trucs qui se raccrochent, qui se raccordent. Donc, pour que j'aille par où là en fait? J'ai la target là-bas. Hop là, voilà, passe ça. ouais, faudrait pas que je me pète la gueule. Ouais, c'est bien, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. D'accord, et en plus, il y a un train qui. Ça arrive à une vitesse ce machin! Wow. Bon, il va falloir que je trouve un moyen pour descendre. Sans trop me péter la gueule. Ah, oh, mais voilà, parfait. Clac. Le prochain, le train passe. Je vais passer. Ouais, non, non, je vais attendre qu'il repasse. Je vais attendre qu'il repasse. Il est déjà là-bas. C'est abusé. C'est un truc de fou. Ok. Ah, ben, ça me rappelle une bonne blague. Ouais, mais bon, en gros, je vous l'ai déjà faite là. Vous savez ce que ça fait, un chat dans un train à toute vitesse? Voilà, on fait le plan quoi, tu vois, t'es à une station et tu vois le train il s'arrête pas et tu vois il y a un chat à la fenêtre. Et ben tu sais le son que ça fait? C'est quand le train passe à toute vitesse, ben t'entends miaou. Voilà, c'était la vanne du jour. Ok, bon c'est bon, gros fail. Bon moi les blagues de merde, moi c'est ce qui me fait rire donc. Je me demande par contre, je rigole mais je me demande comment il faut que je passe ici. Non, 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 il y a forcément. Allez, allez, X, réfléchis un peu. Il y aura forcément un moyen pour passer. Parce que si je tombe, il n'y a pas un truc dans le. Ah ben voilà! Ah ben voilà, suffisait de réfléchir un peu. D'accord. Je vous prie de m'excuser pour cette blague vraiment merdique. Hein. Enfin, bon. Je remercie ceux qui ont pu rigoler. Non, non, reviens, en fait, mon drone, ça sert à rien. C'est bon, il est seul, donc. Enfin. Bon, mais je vais arriver au machin. Allez, mon objectif se trouve derrière cette porte. Et surprise. Ah oui, grosse surprise. Hein. Mais je vais devoir peut-être pirater ça. Ouais, c'est bourré d'explosifs. Bien, bien joué, Captain Obvious. Magnifique, c'est bien. Ah, mais en plus, il y a un compte à rebours. Ok. Ah, c'est bon, si, 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 je me rappelle de ce qu'il faut faire. Je vais. Vous voyez l'arme là qu'il y a derrière.
D'ailleurs, le Shadow Marshal qui a recruté Lucas, en fait, c'est un minigun, en fait, et je vais devoir. Je vais vous montrer. Hein. Vous allez découvrir par vous-même ce qui se passe. Voilà, utilise le minigun. Allez, allez, allez! Ouais, vas-y. Prends ça, viens tâter. Donc, du coup, il va falloir du coup que je détache les suspensions aux rails de ce TGV. Et là, on va tout péter. Magnifique. Voilà, de 2, de 3, de 4, de 5, oui, et le dernier, le sixième. Voilà. Voilà qui est fait. Magnifique. Ouais, je suis arrivé. Je suis un badass. J'ai l'infini en munitions. Je voulais un petit peu jouer l'économie, mais en fait, non. Ok, bah, tant mieux. Enfin, voilà. Bon, et bien, écoutez. Ça y est, ben j'ai enfin fini cette mission. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense que voilà une petite vingtaine de minutes pour vous expliquer ce qu'ils donnent. Hein. Voilà, ça suffira largement avant que vous puissiez vous l'acquérir ou que vous puissiez le tester chez un ami. Voilà, ben en attendant, écoutez, j'espère que pour votre part, que ma vidéo test vous aura plu. Sur ce, donc, je vous dis à très bientôt pour une de mes prochaines vidéos. Je pense que ce sera FIFA 14 d'ici la semaine prochaine. Sur ce, donc tout le monde, je vous laisse là, je vous dis portez-vous bien et à ciao tout le monde.